spéciaux, Fabrice David. Le petit stade François Coty et la C Ajaccio accueillent pour la première fois depuis 26 ans un club de D1 Saint-Etienne. Des Verts en plein tourment. Après le départ de Toshak, Jean-Guy Wallem cumule les rôles de capitaine et co-entraîneur de l'équipe. Bati Gentili, l'entraîneur d'Ajaccio en rouge et blanc. Ajaccio avant-dernier de D2. Les Corses conquérants en début de match. Une tête de Schillaci. Les Verts certainement perturbés par tous les problèmes extra-sportifs du club, notamment l'affaire des faux passeports. Alex et Levitsky sont d'ailleurs suspendus. Un coup franc pour Saint-Etienne, frappe de Pedron au-dessus. Les joueurs stéphanois qui sont dominés par des Corses hargneux, volontaires, pressants, qui monopolisent le ballon avec Petit. Une frappe récupérée par les Corses. Abou, juste à côté. Un tir de Abou, l'ex-joueur de West Ham en Angleterre. Ancien Lyonnais également. Abou et ses partenaires qui jouent sur un rythme élevé. Les Verts défendent. Abou qui déborde. Un centre. Petit laisse passer pour la frappe d'Ursule. Janot a repoussé. Ajaccio multiplie les occasions. La plus belle, ce tir d'Ursule à la 35e minute. À la mi-temps, 0-0. Une trentaine de supporters stéphanois ont fait le déplacement en avion. La deuxième action stéphanoise du match peut-être avec cette tête de Potillon juste au-dessus. Les Corses n'ont rien à se reprocher en ce qui concerne l'engagement, la volonté. Malgré un peu de fatigue, une dernière action dans le temps réglementaire avec Conan Khan qui frappe et Janot arrête. Fin du temps réglementaire, 0-0. Les Corses devront tenir physiquement pendant la prolongation. Saint-Etienne peut s'estimer heureux de ce score. 104e minute, le collectif ACIS avec Morel. Au courage, Steve Savidan pour un dernier rush. Une frappe et le but. Le but d'Ajaccio 1-0. La CA et son public récompensé. Savidan, le meilleur buteur du club qui a tout donné dans cette accélération. 1-0 à la 104e minute et c'est mérité après tant d'efforts. Ajaccio qui mérite mieux au vu de sa prestation, une avant-dernière place en D2. Attention, Saint-Etienne doit sortir de sa coquille. Deuxième mi-temps de la prolongation et l'égalisation de Chaveria. Saint-Etienne égalise après avoir été dominé tout le match puis mené au score. Égalisation de Chaveria au tout début de la deuxième période de la prolongation. Moralement, les Corses risquent d'être accablés. L'expérience des Verts, il n'y a plus personne ou presque en défense. Deuxième but de Saint-Etienne, tout s'est joué très vite. 13 minutes après le but corse, les Verts inscrivent 2 buts et s'imposent de justesse contre Ajaccio 2-1. Moi, ce que je retiendrai, c'est la qualification dans une période qui n'est pas facile et c'est de bon augure pour la suite. Place maintenant au match.